Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour un tour que j'ai depuis très longtemps et que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Et je suis accompagné de mon meilleur ami et je vais lui demander de choisir. Bah tiens, j'ai un joker déjà, on va l'enlever, on n'a pas besoin. Et je vais te demander de faire deux spectateurs. Alors tu vas faire le premier pour l'instant. Je vais te demander tu vas choisir une carte en faisant le deuxième spectateur, mais pour l'instant je vais te demander de choisir une carte, de la penser en fait. Tu la penses, mais en fait tu la notes. Voilà. En fait, le premier spectateur nomme une carte et tu choisis une carte que tu penses, que tu as envie. C'est de carreaux. Tout à fait. Et avant de commencer le tour, j'ai dans l'étui une pochette. On va la sortir. Ouais, je sors. J'ai une pochette à l'intérieur. Je la sors en premier. Il n'y en a qu'une, hein, d'accord? Une pochette. Je la sors. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Confirmé, il n'y a rien derrière et tout. Absolument rien. Et je la laisse sur le tapis pour l'instant, avant de commencer le tour. Donc tu as choisi le 7 de carreau, d'accord? Maintenant je vais te demander de prendre le jeu, de couper à l'endroit où tu veux et de montrer la carte à la caméra. Et moi par contre je tourne la tête, je ne veux pas regarder. Donc vas-y, coupe où tu veux et tu montres la carte. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu as montré? Oui. Tu as reposé? Oui, c'est bon. Et maintenant je vais essayer de retrouver ta carte. Ça va être chaud. Alors, je vais essayer de retrouver ta carte. Donc, on y va. C'est parti. Je regarde dans le jeu. Je pense pas que c'est par là. Non plus. Qu'est-ce que tu as pu choisir comme carte? Je pense que ta carte, c'est celle-ci. On va regarder. On regarde? Vas-y. Je pense que ta carte, c'est cette carte-là. Oui. C'est ça? Oui. Cette carte-là? Tout à fait. Eh bien, je la pose. Et le reste du jeu, on n'en a pas besoin. Donc, j'ai retrouvé ta carte. Le 10 de carreau. 10 de cœur, pardon. Et ta carte que tu as pensée, c'est le 7 de carreau. Mais regarde, ce qui est fou, c'est que j'ai sorti la pochette avant que tu choisisses cette carte-là. Eh bien, je savais que tu allais choisir le 10 de cœur. Pourquoi? Parce que regarde, j'ai le 10 de cœur aussi dans ma pochette. Et bien sûr, la pochette, il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Tu confirmes? Oui. Rien dans la pochette. Et tu vas me dire pourquoi le 7 de carreau? Parce que regarde bien. Tu as choisi cette carte-là. Ok? Regarde ce qu'il y a marqué derrière. Il y a marqué 7. Derrière le joker, il y a marqué 2. Le 7, 2. Et derrière le 10 qui était dans l'enveloppe, de carreau. Bravo. J'espère que ce tour vous a plu. Je nomme rarement les tours, le nom. Ce tour s'appelle Omen. Cherchez sur le net. Ce tour s'appelle Omen avec une double prédiction. J'espère que ce tour vous a plu. En fait, j'ai réussi à remonter le tour. Donc je ne l'ai pas acheté. J'ai réussi à remonter le tour. Et j'espère que ça sera de même pour vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.